Allez au lit. Alexis. Alexis. Oui. C'est Snap? Hein? Rien que. En fait, je viens de voir une vidéo de Mimi qui rangeait toute la chambre de son fils qui était en bazar, mais c'est un... il est beaucoup plus jeune dans l'âge. De Mimi? Ah ouais! Elle rangeait la chambre de son fils. Qui a... Comment ? Nolan. Qui s'appelle... Qui a Nolan ? Qui s'appelle Nolan. Moi, je te parle, j'ai dit son âge. Et qui est en CP. Bref. Et donc, elle rangeait plein de trucs, plein de bazar et tout. Donc, je lui disais que maintenant, après, quand ils grandissent, il y a moins de petits bazars. Mais il y en a encore. Quand même. Donc là, il y a tous les pop. Comment tu fais tes mains ? Attends. Vas-y. Je te réponds. Ah bon, tu réponds. Non. Voilà, ok. Et en fait, là-dedans... Tu t'en fous, mais c'est toi qui me dis bien. Mais non, mais... Faut qu'on range quand même. Je lui dis que ça va mieux, mais en fait, faut quand même qu'on trie tout ça. Des bacs. Et des bacs de jouets. Et la plus grande majorité, comme maintenant, il est grand. Il est grand, le petit. Oui, enfin, il est grand. Oh. Tu sais ce qu'elle a dit hier, la mère de Mathis? Non. Que Mathis, il n'est pas de cervelle. Il tapait avec un petit bâton sur sa tête, ça résonnait dedans. Et arrête. C'est bon, non. Et là, il y a... Attends, non, il est où le bac? Il y a des bacs partout. Des bacs à nourrir. Et donc, voilà, donc il faudra qu'on range. Il est où le gros bac vert? Il est là. Gros bac vert. Allez, au lit. Tu te couches de plus en plus tard, Alexis. David? Il est pas fauché. Regarde la voix comme des gabots. Alors arrête de faire le doux. Allez, je vous laisse. Oh. On a fini de faire l'eau douille. Voilà, tu dis bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Hasta la vista. Allez. A plus. Hello, on est vendredi 23 novembre. Alors le brouillard là, c'est pire qu'hier et pire que la dernière fois. C'est mais c'est vraiment on voit rien, mais rien. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui traverse devant toi, bah tu le vois pas. Voilà, tout simplement. Alors je suis, je précise quand même que je suis pas en ville. Enfin, je suis pas en ville. Quand je suis dans la ville, dans mon village, enfin dans ma ville, avec les lumières, ça va à peu près. Mais là, les routes... Attends, je vais enlever ça. J'enlève la soufflerie un peu. Les routes non éclairées, eh ben, je vous dis pas. On voit que dalle. Que dalle. Donc c'est toujours impressionnant. C'est vrai qu'on se croirait dans un truc de... Stephen King, comme dirait, donc en orange, sur Instagram. Donc voilà, donc c'est la journée aujourd'hui où on va visiter notre nouveau site de l'année prochaine. Ce matin, ma fenêtre était refermée. Ce matin, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est la surprise, on va faire. On a un petit déj de prévu. On part qu'à 11h. On a un pillage de prévu, puis après on a ce qui s'appelle un moment détente, mais on sait pas exactement ce que c'est. J'espère que ce sera bien. J'ai froid. Donc, du coup, je vous remets un peu de soufflerie, je suis désolée, mais je caille. Il fait 1 degré. J'ai encore pas gratté, donc ça c'est cool. Ouais, donc. En fait, on m'a mis des commentaires là pour les. Comme quoi le fait que j'ai le centre commercial samedi. J'avais pas tout compris sur le coup ce qu'il y avait mis Marine, mais je sais pas si tu parlais des gilets jaunes ou si tu parlais de du monde dans les centres commerciaux. Pour les gilets jaunes, je sais pas trop s'il y en aura là, enfin à cet endroit-là, on va dire. Et au niveau de la foule dans le centre commercial, c'est pas un centre commercial fermé comme. Je sais pas comment.
t'habites pas dans le coin, donc comme un centre commercial normal, quoi. C'est un centre commercial où c'est très grand, c'est dehors. Par exemple, si je vais de Gémeaux à Action, je peux pas y aller à pied. Enfin, je peux y aller à pied, mais bref. Mais ce que je veux dire, c'est hyper étendu, il y a des magasins un peu partout, donc même s'il y a du monde, on a moins cette sensation de foule que dans un centre commercial fermé. On est dans les allées, tout, à suivre, à se bousculer, tout. Là, c'est pas le cas. Mais oui, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait samedi de nouveau les manifestations gilets jaunes. J'ai entendu que principalement sur Paris, Paris même, donc parler du Champ de Mars ou alors de près de l'Elysée, bref. Et c'est vrai que j'ai, comme je le disais, j'écoute pas trop les infos. Souvent, alors j'ai des notifs sur mon téléphone, hein, parce que j'ai des applications LCI, Le Parisien, tout ça. Je regarde juste les gros titres. Je vais pas forcément dans le détail, c'est pas forcément bien, mais voilà. Alors des fois, quand on mange, on regarde les infos en même temps. Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Je sais pas. Des fois, j'aime bien, puis des fois, ça me gave. Ah bref. Putain, le mec devant, il avance pas. Bon, voyez. C'est limité à 70, il roule à 50. On n'y va pas à deux pas, donc il a raison de faire attention, parce que c'est, en plus c'est la route là où j'ai failli me prendre le chevreuil l'autre fois. Mais bon, là on est quand même descendu à 45, donc voilà quoi. Mais, il a raison de faire attention, enfin c'est peut-être sûrement plus difficile pour lui parce que moi il est devant, donc j'ai une bonne visibilité. Bref, c'est la première fois que je crois que je vois autant de brouillard tout le temps et aussi bas sur la route. Et qui se lève jamais, quoi. Quand on va aller visiter notre nouveau site, on va même pas le voir, notre building. En plus, on a les terrasses avec des vues apparemment pas trop dégueulasses sur Paris. Je pense pas qu'on va tout à fait, quand même. Et du coup, s'il y a du brouillard comme ça, bah on va rien voir. Ça sera, je pourrais pas faire une belle prise de vue et tout. Bon, je vais pas filmer hein, là-bas parce que. Évidemment. Si je me mets à faire un vlog là-bas, oui, alors bonjour, c'est vous en direct. Et vu que j'aurai tous mes collègues, enfin on sera une centaine en tout. Il y a plusieurs bus, ça va être un beau bordel à mon avis. C'est difficile d'organiser des trucs avec beaucoup de personnes, je trouve. Enfin, moi j'aimerais pas organiser ça, j'arriverai pas. Bah allez, à plus tard. Me revoilà. Et il est super tôt, il doit être 15h. Et je rentre. Voilà, parce que donc on a fait donc la visite, donc on a été visiter notre futur site, nos locaux. Donc c'est en plein travaux, donc on voit que dalle. On a du mal, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans un endroit vide. Mais le site est sympa, les vues sont sympas. Après le design, tout ce qui sera à l'intérieur sera ultra top moderne, y compris, enfin tout sera ultra design moderne et tout. Mais je l'ai pas vu ça, donc je peux que l'imaginer. J'ai du mal à imaginer. Enfin, projeté comme ça. Bon, il y a un brouillard de ouf, ça caillait et tout. Donc on a visité un peu les alentours pour voir un peu notre environnement extérieur au building. Donc il y aura un centre commercial, il y aura pas de magasin. Enfin, c'est vrai, parce que là où on est actuellement, pour ceux qui savent pas où je rêve, hein, je ne dis pas le nom de ma boîte, mais là où on est actuellement, c'est vraiment la campagne de chez campagne, quoi. Il n'y a rien du tout. Il y a les bois autour, on a un champ, enfin bref, c'est pas du tout en ville. Et là où on sera la complète ville, une ville quoi. Donc ça va avec des restos, des machins, plein de trucs, un centre commercial, bref. Donc ça va nous changer complètement, ça va être tout à fait différent, ça n'a rien à voir, ça ne peut même pas se comparer. Si vous voyez mon doigt passer, c'est parce que j'ai des notifs et je les enlève. Et donc voilà. Donc c'est très sympa, on a passé un bon moment, on a mangé à la pizza dell'Arte. Et le resto était offert par la boîte. Moi j'ai pris des pâtes au pesto, putain c'était trop bon, j'adore le pesto. Et après j'ai pris la crème au chocolat puis un café, bref. Et voilà. Et là donc il est 15h, je rentre et avant de rentrer je vais passer à Carrefour Market chercher mon colis, je crois que je vous l'ai déjà dit 300 milliards de fois. Mais peu importe, vu qu'il est tôt, je vais peut-être en profiter pour faire 3-4 courses, je sais pas trop, histoire de. Voilà, parce qu'on a un frigo
il n'y a plus rien, mais je n'ai pas fait de liste. Alors, du coup, je ne sais pas trop si je fais des courses ou pas, si je suis motivée. J'ai encore le temps pour réfléchir parce que ouais, je me tâte. Voilà. Donc, peut-être faire des mini-courses. Sinon, je peux y aller aussi dimanche matin. Enfin, bref. En fait, j'ai juste envie de prendre mon colis et comment dire, rentrer chez moi et profiter du fait que je rentre tôt. Même si, au fait, faire les courses maintenant, c'est aussi profiter du fait de rentrer tôt parce que je ne peux pas faire ça habituellement. Mais j'ai vraiment envie de rentrer, de profiter d'être chez moi et tout, d'être en plus le temps de cocooning un peu, toi, de. Faut que je range mon tas de linge d'hier parce que j'avais du linge, j'ai eu au sèche-linge et tout. Fin. Et du coup, j'ai pas eu le temps de le. Hier, je l'ai pas rangé parce que j'ai eu la flemme, c'est vrai que j'ai pas eu le temps. Soyons honnêtes. Donc, je vais faire ça, voilà, des petits trucs comme ça à la maison avant qu'Alexis rentre. Pour une fois, je vais rentrer avant lui. Donc, ça va être cool. Après, le temps que j'ai avec Afro Maquette, que je prenne mon colis, que je rentre, ça va aller vite. Hein. Le temps passe très vite, mais ça va être super agréable. Je suis d'autant plus contente que je suis en week-end. Voilà, donc c'est génial quoi. Génial. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà, je suis à la maison, j'ai été récupérer mon colis. Donc c'était un colis, je ne sais plus si j'ai précisé. Nocibé. Donc on est arrivé dans une belle boîte comme ça là. En fait, dedans il y a un truc que je vais pas vous montrer. Alors c'est pas pour vous. Hein. C'est pas pour vous. Mais ça sera quelque chose. C'est pour moi, mais c'est pas pour tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, je vous laisse deviner. Bref. Et donc, j'ai pris. Voilà, donc, que j'ai coupé parce que j'étais en train de tout déballer, parce que c'est tout emballé dans du. Oh, pourquoi il est rouge? Dans du papier plastique comme ça qui fait un bruit. Je me suis pris pour moi, pour maintenant tout de suite, enfin dès que je prends une douche, je me suis pris un gel douche Nocibé, les délices de Nocibé, gel douche onctueux, manque passion. Il est comme ceci. Voilà, il fait 100 ml et je me suis pris une Nocibé mouche de douce, sensuelle, huile de macadamia et huile de monoï. Voilà. Ça va sentir bon. Et ça. Ça aussi. Donc voilà. Donc ça, j'ai craqué parce que j'avais envie de me faire un petit plaisir. J'ai beaucoup de shampoing et beaucoup de crème pour les mains, machin. Mais finalement, des gels doux, j'en ai pas tant que ça. Enfin, j'en ai pas tant que ça. J'en ai plus d'ailleurs. Enfin, j'en utilise un Caudalie, une abonnée mystère m'avait offert. Avec plein d'autres choses. Et je l'adore. C'est Eau des Vignes, je crois. Parce qu'il y a Teddy V, c'est Eau des Vignes et je l'adore. Et puis mon autre truc, voilà, bon bref. Et la boîte, je la trouve trop belle. C'est une boîte. Donc voilà. Donc j'ai fait mon. Alors du coup, finalement, j'ai pas fait de course. En fait, on a pris le bus, on a pris le car pour y aller. J'étais malade à l'aller, c'était une horreur. Alors je suis pas allée jusqu'au vomissement, mais moi j'ai mal les transports. Et, pourtant, j'étais devant, enfin, j'étais au troisième rang. Et je sais pas, je suis arrivée à. Quand on est arrivé à Boulogne, si on n'était pas arrivé, je demandais au mec de descendre et de finir à pied parce que j'en pouvais plus. Les gens me disaient que j'étais toute blanche, toute jaune, je transpirais, enfin, une catastrophe. Du coup, j'appréhendais le retour. Et j'ai une collègue qui, elle aussi, est sujette au mal de transport et qui, elle, avait pris Mer Calme. Et elle m'en a donné un pendant le repas. Alors, d'après ce qu'elle m'a dit, normalement, ça se prend 6 heures avant, mais bon. Là, je n'avais pas ce laps de temps. Et je l'ai pris parce que même pour le côté à la limite psychologique, parce que j'appréhendais de reprendre le car et tout. Et en revenant, je me suis mis tout devant, vraiment limite à la place du chauffeur. Quoi. Vous voyez, je voyais bien la route et tout. Ça a été bien, par contre, j'ai mal à la tête. Et je pense que c'est lié au bus. Enfin, je me sens un peu. Alors, j'ai pas été malade comme à l'aller. Enfin, malade. Mais là, je me sens un peu nauséeuse et tout. Tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vais ranger donc mes trucs là. J'ai hâte de prendre une douche, surtout de la mousse spa, bon, je vous l'ai déjà montré, bref. Ça fait trop du bien d'être chez soi de bonheur, franchement. Non pas que je rentre trop tard, hein. Je sais très bien, je rentre beaucoup moins tard que plein de gens. Nanani, et que j'ai une chance folle, mais ça va pas durer, mais après, je vais changer de site. Mais bon, bref. Et du coup,
Là, ça vaut vraiment d'être rentrée les 15h20. Ah oui, voilà, c'est ça que je disais. Je suis pas allée faire de course, je me sentais vraiment... J'avais envie de rentrer, quoi. Donc voilà, c'était pour ça que je disais ça. Donc j'ai parlé, je parle 20 minutes, tout ça pour vous dire ça. Bref, donc là, je vais aller ranger ça, plier mon linge, faire 2-3 bricoles à la maison tranquillement, en attendant qu'Alexis rentre. Quand il va rentrer, il va faire son goûter. Je vous avais dit qu'on ferait pas de bar vendredi, je vais voir. Selon, je vais re-regarder pour notre, faire tout ce qu'il y a, parce que pour qu'on s'organise, c'est pas la peine qu'on travaille 4 heures dimanche, si on peut essayer de fractionner. Donc je vais voir, ça va dépendre de ton état d'esprit, du mien, de plein de choses. Si on peut même s'avancer en faisant qu'un seul exercice ou un seul truc, c'est déjà beaucoup, c'est toujours un truc à moins faire. Voilà. J'ai hâte qu'il ouvre son calendrier M&M, ça va de l'avant là. Trop beau. Alors, donc je vais clôturer là du coup, parce que je pense que j'ai dû faire pas mal de blabla, enfin je me rends pas compte en fait. Et voilà, donc je clôture là, comme ça après je ferai le montage, je vais l'exporter, comme ça vous aurez un truc samedi matin. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.